à la ralve, le Belah Memchech. Il nous reste une dernière chance, une dernière carte à jouer. On va tout donner pour essayer de se qualifier, Inch'Allah. Sahih, on n'a pas encore marqué. Il nous reste un match. Inch'Allah, on va marquer, Inch'Allah. C'est une grande déception, le vestiaire. On voulait faire un Habinam le Natija Jabé. À la ralve, le Belah Natija Memchech. Contre le match France, Inch'Allah. Non, pas du tout. Il y a de la communication qui on discute tous ensemble, les joueurs ou le staff, mais il n'y a eu aucun problème et le coup n'a pas de solidaire jusqu'à la dernière minute. Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Aouchen. C'est une très grande déception, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout pour nous les joueurs en premier, après bien sûr le public, on sait, qui commençait un petit peu à rêver. Et voilà, on voulait vraiment bien aborder ce match d'hier et gagner ce match. Maintenant le football c'est comme ça, enfin, des hauts, des bas. Après c'était très dur hier soir, honnêtement, quand tu rentres de l'hôtel, quand tu rentres à l'hôtel et que voilà. L'état d'esprit, et surtout بعد المباراة تاع أمس أكيد, on est très 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 déçus. Parce que le Moubara Ta'ams, l'azem t'fouz. Maintenant, Khouyama, t'as plus rien à perdre. Donc voilà, l'état d'esprit, c'est que t'as plus rien à perdre et t'as 2% de chance, comme j'ai dit hier, il faut croire. Ça va être très très dur, mais il faut croire et en tout cas donner le maximum, enflammer un petit peu le public, pourquoi pas dès le début faire quelque chose, Inch'Allah. Et après, tu sais pas, dans le corps, il y a eu déjà des exploits dans le football, pourquoi pas pour nous, Inch'Allah. الحياة فهم زهرة الحياة.